Organisée par la Fédération béninoise d'aviron, la finale de la régate d'Interclub s'est déroulée à Agatogbo sur le lac Ayémé en vue de renforcer la capacité des rameurs et rameuses afin d'être aptes à représenter le Bénin lors des Jeux olympiques et le championnat d'Afrique à venir. C'est que nous avons déjà organisé la première partie à Souava et à Bopa et c'est la finale qui a eu lieu ici aujourd'hui à Agatogbo. Au bord de la lagune, là où nous sommes. C'est pour renforcer la capacité de nos rameurs et rameuses, parce que nous avons des échéances en vue. Nous avons la qualification des Jeux olympiques et le championnat d'Afrique qui est pour le mois d'octobre. Donc nous voulons renforcer la capacité de nos rameurs et rameuses, raison pour laquelle nous avons organisé cette régate interclub pour jauger un peu leur capacité. Participants et participantes, après une demi-journée de course, donnent leurs impressions à l'issue de différentes épreuves. Donc moi et mon second, on fait entraînement matin et soir, donc pour pouvoir gagner. Donc comme nous sommes venus ici, donc Dieu nous a aidés et on avait démontré donc le travail que nous faisons dans chaque matinée. Et pourquoi nous on a occupé ce rang-là, c'est parce que moi personnellement ça m'a manqué de l'entraînement et de deux. Le vent aussi, il y a trop de vent sur le lac, ça nous a empêché de mieux ramer, c'est pourquoi on a un peu freiné. Je suis vraiment content, puisque ceux la veille avec qui on a eu à compétir, ils étaient des anciens on dirait. Et ils voyageaient il y a longtemps et à suivre notre compétition, j'ai vu qu'ils n'ont pas, ils ne nous ont pas dépassés à longue distance. Et je me prépare pour les compétitions prochaines, pour les battre si possible. Le président de la Fédération de Karaté, venu prêter main forte à son collègue, a eu le plaisir de donner le top pour le démarrage des courses. Satisfait, il s'exprime. J'ai vu le message qui est passé sur notre site. Ça m'a intéressé, ça m'a plu de venir. Et deuxièmement, venu soutenir aussi mon frère président. Et on devrait apprendre à faire ça aussi, venir suivre ce que font les athlètes, parce qu'en dernier ressort, c'est le Bénin. Que ce soit l'avion, que ce soit le karaté, autre chose, il devrait avoir aussi interconnexion. J'étais dans la barque, n'est-ce pas? Super, vraiment merveilleux. Comme quoi, dans chaque coin, chacun fait ce qu'il doit faire pour que ça se passe bien pour le Bénin. Sans doute, un grand honneur pour la mairie de Koumé, représentée par le chef d'arrondissement d'Agatogbo, ému de voir les athlètes ramer. Au nom du maire Rampéché, je voudrais vous dire un grand merci. Un grand merci, pourquoi ? Parce que c'est une grande première. C'est une grande première chez nous. C'est vrai qu'il y a des clubs en gestation, mais malheureusement, ces clubs n'ont jamais vu une compétition. Ils s'essayent, et avec les barques traditionnelles, nous essayons. Mais réellement, c'est aujourd'hui que nous sommes entrés en contact avec ce que c'est que l'aviron. Au terme de la compétition, le président de la fédération est resté sur sa faim. Il demande par ailleurs aux encadreurs plus de rigueur dans les clubs en vue de rendre les rameurs et rameuses compétitifs. Pour le moment, il y a certains rameurs et certaines rameuses qui ont sorti la tête de l'eau. Mais ce n'est pas encore la satisfaction totale. Parce que la vitesse que j'ai vue comme chez d'autres athlètes et d'autres, bon, c'est un peu mitigé. Et je demanderai aux entraîneurs et aux encadreurs de chaque club, que ce soit du Mono ou de l'Atlantique, de donner beaucoup plus d'engouement à la chose, de les stimuler. Parce que sans la stimulation, les rameurs et rameuses ne pourront pas faire grand chose. Ça serait comme un amusement.